Mais le même objet, ça va être pour le prochain, pour le prochain. Ils doivent trouver, chacun leur tour, une raison différente. Bon, en fait, c'est génial. Alors, si vous avez pas compris, c'est normal. C'est normal, la chef, elle s'est fait une chaise, c'est génial. Je commence pas par toi. Une chaise, c'est génial. Oui, une chaise, c'est génial. Parce qu'on peut s'asseoir dessus. Et toute l'année que c'est comme ça. Oui, allez. Une chaise, c'est génial. Parce qu'une chaise, ça a quatre pieds. Du coup, une chaise, quand vous voulez planter les radis, prenez votre chaise, clac, 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 et vous pouvez implanter les radis quatre fois plus vite. Mais une chaise, vous savez, c'est génial. Vous avez jamais pensé, la mettez au mur et dessus vous pouvez asseoir les petits, les grands, les moyens et même les personnes âgées comme ça si elles tombent au moins. Alors une chaise c'est génial, pourquoi? Bah quand t'as pas d'amis, bah tu prends ta chaise et tu ne pars. Ça va? T'es pas trop déprimé? Alors une chaise c'est génial parce que quand on veut compter jusqu'à 14 et qu'on sait pas compter, et bien forcément on n'a pas assez des 10 doigts de la main. Donc on compte jusqu'à 10 plus 4. Wow. Alors une chaise c'est génial parce que quand on n'a pas des louges, on la couche sur le côté, on peut s'accrocher à Yahoo! Pas en dessous de 6 ans. Une chaise, c'est génial. Une fois, j'avais cuisiné des hot dogs et j'avais mis la chaise dans l'autre sens et j'avais mis les bouts de pain comme ça. Et c'était super pratique. Après, je mettais des saucisses dedans avec la moutarde. C'était top. C'est génial, la chaise. Parce qu'avec, je peux jouer au cowboy. Quelqu'un a une idée? C'est génial une chaise parce que quand on est nul au tennis, bien sûr, voilà, on prend quatre raquettes, on les accroche là et là, je peux vous dire que pour rater la balle, il faut vraiment être naze. Sabrina? Oui. Pas vieille un peu? Ah, mais il fait tellement beau. Oui. Mais bon, on n'est pas près d'arriver. Le soleil ne peut pas tout faire. Ouais, mais quelle idée tu as eue de percer un trou dans le bateau pour mettre la photo de ta mère? Mais il ne peut pas partir sans maman. Oui, mais maintenant le bateau il a coulé, maintenant on a oublié de ne pas gagner. Oui, mais tu es fort, tu es grand, tu es beau. Ta gueule est ta gueule. Sabrina! Oui? Regarde à l'horizon. Oh là là, il y a des mondes sur la plage. Ils sont tous nus? Ah, c'est bien ce qui me semble. Il y en a qui ont bronzé beaucoup. Hein. Il y en a qui ont bronzé partout, partout? Oui. Ah, il y a un château de sable là-bas. Mais c'est quoi comme peuple? Je ne sais pas, il n'y a pas tout compris. Parce qu'il y en a qui n'y a pas de bouche. Et il y en a, ils n'ont pas les yeux bleus. Ils ont le bas de la bouche tout bleu. Dan, tu as fumé quoi ce matin? Je n'ai pas fumé ce matin, il est bu. Ah mais c'est pour ça. Parce que quand il est bu, il n'y a plus soif. Ah il est bu, il n'y a plus soif. Enfin moi, il y en a vu un des ébus, dis donc. Il ne t'a pas raconté? Et non, parce que moi, j'ai pas de papa. Arrête, tiens, papa gay, là. Oh là là. Eh ben il y a vu un zébu là, je l'ai vu et je l'ai plus vu après, tu vas me dire, c'était nul, pas une histoire. On demande encore. D'accord, le thème il arrive. Eh ben on va demander au public, mais c'est pas facile, mais ils sont pas disciplinés.
Alors, tu sais qu'il y a une idée de lieu ou une situation? Une gare. Une gare. Nous sommes dans une gare. Donc, Jean-Mille, la chef a dit que tu étais dans une gare. Vous allez bien? Excusez-moi, mais je crois qu'il y a mal donne. Excusez-moi, je vous avais pris pour une demoiselle. J'ai bien que j'ai les cheveux longs, mais quand même, faut pas pousser non plus. Vous attendez le train de 18h? Le train de 18h02, plus précisément. Ah, on prend pas le même, alors. Je sais pas. Dommage, hein, je vous avais de loin pris pour... Ouais, ben je comprends, ça le fait souvent, ouais. Surtout de profil. C'est particulièrement féminin. Hein? Ah ouais, quand même. Et quand je fais ça, ah, c'est encore mieux. Ah, il y a un truc, hein. On me le dit souvent. Et il paraît quelle heure le train de 18h02? Bah ça dépend s'il est en avance ou en retard. Mais généralement 18h02. D'accord. 18h02. Vous le prenez souvent? Non, c'est la première fois. Et vous n'avez pas de bagage? Non, je pars comme ça à l'improviste. J'aime bien. Et toujours par le train de 18h02? Non, j'aime bien aussi. Par contre. Que j'aime bien, j'improvise. Je sais pas, comme ça j'arrive dans une cafe. Ah, là. Ouais, je choisis au hasard. Ah. Et il va où, je prends le 18h02? Je sais pas, je vous ai dit, j'improvise. D'accord. C'est bien, vous faites ça tous les jours? Non. Quand j'improvise. Et vous, vous faites quoi? Moi, je prends le train de 18h02. Et vous m'avez dit 18h pile tout à l'heure. Oui, mais il va être en retard. Ah oui, c'est vrai, j'avais dû y penser. Forcément. Et donc, mais du coup, c'est peut-être le même. C'est possible. Ah, on sait pas. C'est possible. Du coup, s'il vient, il est en avant, tu pourrais partir à 18h. Non, 18h02. Vous m'avez dit 18h02. Oui, mais s'il est en avance, en fait, finalement, le mien, il partira à la place du vôtre, et le vôtre, il partira à la place du mien. Mais non, le mien, ah, il est en retard. Ah, c'est pourri, la SNCF.